Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 142 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui à Angry Birds Rio. On va continuer Angry Birds, c'est parti. Donc au premier niveau, je vous laisse la cinématique. Donc cette fois-ci, c'est un peu différent. On ne se bat plus, on va plus fracasser du cochon, mais on va libérer des oiseaux. Donc vous voyez, hop, voilà, c'est nos amis les oiseaux. Donc le but, c'est de tous les libérer sur un niveau pour terminer le niveau. C'est pas de killer du cochon, c'est plus ça trop l'idée pour l'instant. Alors pour cette version-là, du moins. Donc là, ça va être plutôt simple parce que. Vous vous rappelez que le season, ben, il n'y avait pas vraiment de début et en fait c'était tout de suite un peu difficile, enfin, je trouvais. Peut-être qu'il aurait fallu que je commence les premiers mondes, enfin bon, c'était spécial. Voilà, 3 étoiles. Donc là on commence vraiment du début et on joue. Hop. Voilà, c'est magnifique, il ne reste plus qu'un. Donc c'est vraiment plus facile là, en plus on a détruit carrément tous les cubes. Je pense qu'on aurait pu le faire en un coup ce machin. Il y aurait eu moyen. Mais mon but c'est pas de faire des bons trucs de fou. Voilà, on a 2 étoiles au lieu de 3. Hop là, donc là on vise au milieu, on détruit cascade. Ça fait un peu tout tomber. Et ben même lui est tombé. Et il nous reste plus que celui-là là-bas. Pour l'instant on a que les oiseaux rouges. Et les autres vont apparaître avec le temps, avec les niveaux. Ouais, il est tout content. Voilà, 2 étoiles, toujours. Nouvelle score parce qu'en fait j'ai pas joué. J'ai déjà joué ici, mais là je les ai installés et j'ai fait aucune partie, donc c'est pour ça qu'on a que des bons scores. On a que des nouveaux scores. New high score. Hop là, les oiseaux, hop, ils sont libérés. 30 000, 500. Voilà, allez. Mais du temps à disparaître, toujours un peu l'oiseau. Ouh. 40 500. Hop. Ouais, on a qu'une étoile quoi. Alors maintenant les oiseaux bleus, ils apparaissent. Les oiseaux bleus, on les avait vus dans le premier, on les a vus dans le deuxième aussi. Hop. On tape dessus et ils se séparent en plusieurs. Et ils sont un peu moins puissants. Logique. Voilà, et ils sont. Il me reste encore celui-là là. Voilà, c'est bon. Oh, j'ai trouvé un ananas. Ah oui, il y a une histoire d'ananas, des objets à choper dans les niveaux. Je sais pas s'ils sont dans tous. Ça m'étonnerait, non, dans certains il y en a pas. C'est mieux de les choper, par contre je sais pas ce que ça nous rapporte. Hop, oulala, on a fait un gros carnage. On va essayer de viser là-bas pour ceux qui me manquent. Hop, voilà. Voilà, terminé. 53 000, donc 130. Oui. Oui, 3 étoiles. Je devais pas être loin pour l'étoile. Hein. Voilà. Alors là, faut encore tout faire tout tomber. Je me rappelle celui-là, un jour je l'avais fait, j'y avais passé du temps. Là bah ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, j'ai eu de la chance on va dire parce que normalement il était un peu plus chiant que ça. Ouais bon là ils sont quasiment à découvert, faut vraiment que j'arrête mon tir pour pas y arriver. Voilà. Donc on voit l'ananas là-haut à droite, mais pour l'avoir bah il faut gaspiller, j'ai envie de dire gaspiller un tir parce qu'il n'y a rien du tout là-haut. Il n'y a rien à viser. Il n'y a pas d'oiseau, hop. Les structures en glace, ça tient jamais bien longtemps. Hop. Voilà, et un oiseau, et c'est terminé. Hop là. Ou d'ailleurs, on a bien détruit les trucs là. Ça a pas fait semblant. Voilà, donc on est dans un hangar, hein. On essaye de libérer nos amis les oiseaux. Le décor est... Voilà, on a déjà fait plein, on peut pas aller dans la jungle, sur la plage, parce qu'il faut, il faut quasiment tous les finir, je pense. Ou en finir un paquet pour pouvoir faire les autres mondes.
là c'est encore simple, il y a des oiseaux de partout. Il n'y a rien de bien compliqué. Là, je fais beaucoup plus de niveaux que tout à l'heure, c'est normal parce que on les finit facilement. Hop là, 5000, 5000, 5000. Voilà. Terminé. Wouhou, on est content. 2 étoiles. New high score. Alors, les jaunes apparaissent. Les jaunes qui font fuser un peu. Excusez-moi. Et oui, ça m'arrive d'éternuer aussi. D'accord. Je suis un peu enrhumé en ce moment. Elle est belle ma vie, je sais. Voilà, l'oiseau, il est mort. Enfin, il est mort, il est libéré. Putain, je dis, il est mort. D'habitude, avec les cochons, bah, on les crève, les cochons disparaissent. Parce que là, on libère les oiseaux. Oui, 3 étoiles. Magnifique. Même si ça aurait pu être un peu mieux que ça, quand même. Allez. Donc là, on a que de l'oiseau jaune, parce que c'est bien pour nous apprendre, en fait. Nous apprendre à l'utiliser, donc c'est pour ça qu'en fait, on a que ça. Après, on aura un peu de tout. Hop, j'ai raté mon... Putain, je le vise un peu plus bas. Voilà. Il y a toujours l'ananas en haut à droite qu'on voit là-bas. Mais t'as une étoile. Voilà. Alors, on va essayer de détruire à la base. Hop là. On va aller un peu plus loin cette fois-ci. Hop là. Oui. Et là, on vise ici. Hop. Et ils tombent tous et ça se casse tout. Donc c'est bien, c'est de viser à la base des tours comme ça. Comme ça, quand elle tombe sur elle-même, elle brise toutes les caisses. Voilà, j'ai qu'une étoile alors que j'ai fait quand même un bon score. Donc il y avait moyen de faire beaucoup mieux que ça. On commence à voir apparaître les petites structures de béton là. Oh là là, voilà, magnifique. Ça tombe tout, tout se pète la tranche. Magnifique. Il me reste que la structure en béton là, on va la taper. Hop là, voilà. Vous remarquez qu'il y a des petites, bouées, on les voit depuis tout à l'heure, les petites bouées de plage là, qui font rebondir les choses. Enfin, ça tombe dessus, regardez. Il y a les pièces qui rebondissent dessus. Voilà. Voilà, 10 000, 67 000. Oui, qu'une étoile toujours. Donc il faut vraiment faire des belles réactions pour avoir les 3 étoiles, parce que là, pour avoir des points. Voilà, là on va le faire un par un. Hop. Hop, la troisième. On a 4 oiseaux, donc il y a moyen de tout faire. Ah bah tiens, j'ai même pas eu besoin. Ah, presque. Là, si j'avais su, l'autre, si j'avais attendu un petit peu, l'autre était en train de tomber, donc j'aurais pu viser directement la quatrième. Voilà, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'ai réussi quand même. Donc voilà, on est content. On a 2 étoiles. Alors, on continue. Hop. On peut toujours pas aller dans les autres mondes, dommage. Il y a les coming soon aussi, c'est les mises à jour. Quand ils font des mises à jour, ils rajoutent des mondes. Hop. Donc là, ce qui serait bien, c'est de faire tomber la tour par le milieu, là. Ici. Parce qu'on voit que là-bas, il y a un petit poids et les petits oiseaux. Si on arrive à casser au milieu, là, ça va tout tomber. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, oui, oui. Magnifique. Et voilà. Terminé. Voilà, 10 000. 1, 2 et 3 étoiles. Oula, je m'attendais pas à la troisième quand même. Voilà, alors là, les petits oiseaux bleus qui sont apparus. On les avait, mais qui réapparaissent. Hop. Oui, oui, non, 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 ça va pas suffire, je pense. Ah si, si, j'en ai encore un. Là, il faut pas que je me rate. Voilà, ça devrait... C'est bon, ils sont libérés. Les cages se cassent assez facilement. Choup. High score. C'est dommage qu'on puisse pas faire les autres mondes qui se débloquent pas plus que ça, parce que du coup, on est obligé de rester sur ceux-là. Ah là, je viens de gaspiller un oiseau. Si j'avais attendu, pareil, que si j'avais attendu que, comme je disais. Voilà.
Hop là. Terminé. Avec une étoile, évidemment. S'il y avait moyen de faire un peu mieux que ça. Alors là, faut casser les chaînes avec les oiseaux, regardez. Hop. Là, je suis bien passé. Le but, c'était surtout de casser les chaînes pour libérer tout le monde. Et là, ça tombe. On le fera peut-être en un coup, non? Ah non, il en reste un. Malheureusement. On aurait pu le faire en un coup, ça aurait été bien. Voilà. Terminé pour ça. Il y a l'ananas en haut à droite qu'on voit là-haut sur la plateforme au-dessus des chaînes. Donc deux. Voilà. Allez. Donc là, on vise en bas. On fait tout casser la tranche. Là aussi. Bon, ça c'est pas bien plus dur qu'au début. En fait, là, ça va, c'est simple. Bon, même s'il vaut mieux éviter de se rater parce qu'on n'a pas tellement d'oiseaux de rab maintenant. Tout à l'heure, il nous en restait tout le temps 50 que là, bon, bah. On en a plus quoi. Oui. Voilà. Deux étoiles. Alors là, encore des trucs. Là, faut jouer sur les réactions en chaîne. Hein. Faut essayer de taper pour que ça fasse tomber les autres. Non, ça a pas voulu. Oui, la deuxième qui fait tomber la troisième. Allez, la quatrième aussi. Voilà. Magnifique. Hop, hop. On a libéré l'envolée des oiseaux. J'avais pas parlé des graphismes sur Angry Birds, mais bon, bah là ils sont un peu identiques par rapport au premier. Et c'est des graphismes plutôt beaux quoi. Bon, c'est pas détaillé non plus, c'est pas un jeu qui est très compliqué à faire, mais c'est joli quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de détails. On s'amuse avec ça et franchement. Et tout ce qu'il faut au niveau physique avec les caisses, les différents matériaux, c'est vraiment addictif. Quand vous voulez passer du temps, bah, vous jouez à Angry Birds quoi. Quand vous ennuyez, qu'est-ce que vous faites? Angry Birds. Voilà, deux étoiles. Voilà. Donc ouais, on va rester là, de toute façon on peut pas en faire plus. Et donc ce sera tout pour Angry Birds Rio. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.